Voilà. Bonjour mes chers amis. Nous voulons vérifier le son. Vous allez bien? Aidez-moi pour le son, ce qui vous allez bien, s'il vous plaît. Voilà, merci Kitoko. Voilà. Ok, merci. Merci. Donc, ok. Son Kitoko. Bon, Mikolo, tout comme je vois bien, non, à pied levé, hein. Moi, je vais sa sous avis exacte parce que ce qui est avis, avant que tu bande la vidéo, ils allaient déjà signaler. Alors, tu comme que les caca en balamoko, tu loba seke, tu lingi koloba. Voilà. Donc, merci, merci beaucoup. Pour la confiance, et comme nous l'avions promis que à tout moment s'il y a un problème Nambokanabiso ou ils ont concerné Biso, tout bandakoya toujours pour la copie sa avis Nabiso pour la expliquer situation selon entendement Nabiso ou bien selon Bassous Nabiso. Les lotos yé mingi mingi, parce que l'obit rosalari soussou, les lotos yé mingi pour expliquer un peu ce qui se passe na Chine. Et parce que bah, les tombés yama kambozo le kana Chine na bandeko Nabiso, et qu'on se faire sentir Namboka Nabiso na Congo. Et puis tu vois le moqué sur des tournements il y a Mbongo Nabiso na niveau il y a Congo avant de commencer na lingi na pesa deux mots sur les deux sous-thèmes au na lingi kolobela. Ya liboso ezali, je pense que nakotia vidéo wana na ligne, même si ezali na anglais, nakotia ngo na ligne parce que ba Congolais o bayebi anglais bazali ebele. Point liboso ezali mbongo ya Congo sur ba détournement. Ezali que na 2015. Nazalaki na tribune ya ONU, ya Nations Unies, na New York, oyo nazalaka invité par l'Assemblée générale ya ONU, na ère wana président Obama, nazalaki président na États-Unis, ye moto a initiaki eloko wana babengi. Comment faut-il co-aider les réfugiés parce qu'ils ont constaté que la Convention de Genève relative na statut à les réfugiés, même protocole, non, parce que le protocole est lié à la Convention, ils allaient ébeler ou bien force, nango ils ont mingité. Alors, Obama a eu ko kanisa o babenga ki Obama Summit. Obama Summit a joué ki ide wana na 2014. Na 2014, e zala ki ba discussion aussi sur engagement ya ba pays à ce qui concerne traitement ya ba paya. Obama Summit, ezalaki Obama na ba pays mususu, ba sengaki na ONU,
ce qui moyen zali ba réfléchir sur conditions yaba migrants travailleurs, conditions yaba réfugiés nabamboka oyo bazali na côté etali ba migrants travailleurs ezali que bamboka ebele ezali na convention universelle oyo qui s'occupe na ba migrants travailleurs na ba famille na bango. Mais convention wana bamboka ebele ba ratifia yango te ba signa yango te. Par exemple la Chine ba signa convention wana te. Alors ce qui pays est signé convention wana te, c'est-à-dire pour na bango ba bu ya ba migrants travailleurs ce qui ezali ils ont concerné oni aza demandé te à intervenir. Alors Obama submit avant Ebanda oni aye ko kanisa il faut qu'on invite batu qui travaille sur le réfugié batu oyo bazali ko travailler pour le migrant travailleur ba ya ko pesa ba idée na bango sur loi wana ya ba migrant travailleur sur loi concernant le réfugié na loba ki yango na vidéo moko c'est qu'on appelle pour na ba migrant travailleur ezali compact pardon pacte mondial pour le migrant et puis pour na ba réfugié ezali pacte mondial pour le réfugié donc le deux conception wana il fallait ONU à se pencher sur ça qu'obimisa une loi universelle toyayi kozwa chance ya kozala invité na tribune ya assemblée ya Nations Unies na 2016 poto ya kopesa avi na biso concernant les réfugiés na monde et nazali ko répéter loko à chaque fois que bande ko mingi bataksa kangai bon voilà Félix Tshisekedi akata makamba ba réfugiés cuisinier yombi a koma chomer pour Félix akata ye makamba ba réfugiés place azwa kambongo en aucun jour natika la particulièrement ko sala pona ba réfugiés congolais vinanga mubimba o na sali pona protection ba réfugiés je n'ai jamais travaillé particulièrement pour les réfugiés congolais j'ai travaillé pour les réfugiés du monde na bandaka pona ba réfugiés en général na Corée du Sud na yeko zwa protection pona ba réfugiés na Asie à Est c'est-à-dire Corée du Sud Japon Chine Taïwan Hong Kong Mongolie, Russie. Alors, nazalaki président nango pendant au moins 4 ans. Alors, natango na longwe kuna na komi na niveau international comme président ya réseau wana. Donc, natikala ko sala jamais pona ba réfugiés congolais. Donc, Félix n'a pas une capacité ya ko katangai ko traiter makama ba réfugiés. Et na lobela kango toujours, je n'ai jamais eu un centime d'un réfugié. Na eda ba vie ya batu. Et belé na monde ba réfugié au bazali na voie ya déportation na aéroport na edabango na Corée kakate na monde je dis alors toujours na makambo ya Obama Summit ba invité ngai na 2016 na tribune des Nations Unies pour na lobela makambo wana ba so boke na page na ngai ya Facebook vous verrez ça. Et j'ai posé une question concernant oyobabengi les root causes, c'est-à-dire que ba cause oyetinda kabatuba comme ba réfugié. Alors, j'ai posé la question à l'Assemblée générale des Nations Unies, yakoyeba est-ce qu'on peut traiter le problème de cette protection des réfugiés sans pour autant se pencher sur les root causes, les causes de ces mouvements forcé des réfugiés. J'ai évoqué à cette époque-là les problèmes congolais. J'ai évoqué à cette époque-là les problèmes rwandais, le problème nigérien, camerounais. Ezalaki ba pays oyo mouvement mingi ezalaki ya ba réfugiés bazokima. Donc ba migrants forcés. Alors en ce qui concerne les Congo, j'ai posé une question à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et sur les photos na ngayo wana na Facebook, na zalaki na tribune ya Nations Unies,
juste na se parce que les ambassadeurs bah représentants y'a bas pays na Nations Unies bah zala qui na se vous allez voir que le représentant y'a mission diplomatique y'a Congo na oni y'a zala qui na face na ngai. Alors beaucoup comme on va benga ka body language, c'est-à-dire que les signaux corporels beaucoup mona que azala qui na soni moko na ndenga kosakanate, il pouvait pas me regarder en face. Alors comment expliquer le Congo où ezali un pays plus riche du monde? Ce qui est tableau de Mendeleïev, école secondaire, chimie, tableau de Mendeleïev, minerai wana nyonso ezali na tableau de Mendeleïev, Congo azanango. Voire même mususu, oyo eyaki ezali découvert après avoir ko bimisa tableau wana Mendeleïev a bimisa tableau wana ba minere mususu ebele Congo nyonso azalango. Donc le Congo azali na ba 37 minerais stratégiques du monde. Congo aza ko nourrir ba pays nyonso ya monde. Mikolo tozoloba ya pas une maison place moko te bureau moko te okende elamba moko te okende na ndako ya mutu omona ke made in China ezati. Banda kuna biso nyonso ko banda ba presidenti na bato ya se made in China produit ezali. Alors na ebisi bango soki made in China product na ndako nyonso ya monde ezali. Boye ba pe ke made in Congo minerals. Le minerai di Congo ezali na ndako nyonso ya citoyen di monde. Alors comment expliquer que ce pays ou azali ko nourrir mutu nyonso na monde. Lelo tozali na confinement. Franchement na confinement oyo so ezala ke internet ezate. Tonoba par exemple que virus oyo yaki vers les années 70. Internet ezate, Facebook ezate, YouTube ezate, Skype ezate, biloko na nyonso ba réseaux sociaux na nyonso ezate. Imaginez-vous na confinement oyo combien de bateaux bakoyi kozwa le problème ya mutu. Et si vous avez cet internet chez vous, si vous avez ces smartphones chez vous, si vous avez ces computers chez vous, si vous avez ces caméras chez vous, c'est grâce au Congo. Comment expliquer ce Congo qui nourrit tout le monde, tout citoyen du monde? Le même Congo azali incapable de nourrir banana ye moko. L'argent du Congo, ils ont nourrir bana mususu ya mukili. Pas le fils du Congo. Alors, comment expliquer nazo komona bandeko mingi ya Bukavu? Na ba trak na bango ya kosatake na ba kasayen. Ce n'est pas un problème de Kasaïen. C'est le problème de Vital avec son allié Félix et l'autre allié Kabila. Lelo, on voit de millions de dollars. Le petit frère de Vital Kamerhe a exhibé ba mbongo, ba voiture. De millions de dollars. Kamerhe qui transfère de millions de dollars na ba belle sœur naye. Nous venons d'avoir une information que 70% ya mbongo a mis d'azui banda Félix a comme président entre guillemets. 70% ya mbongo nyonso amida a transféré ça en Inde. La petite sœur d'Amida a transféré cet argent en Inde. Le petit frère de Vital Kamerhe a transféré cet argent en Europe. Combien na mbongo wana nyonso Félix, la maman de Félix Marthe, le petit frère de Félix Christian Tshisekedi, le petit frère de Vital Kamerhe, la femme de Vital Kamerhe ont transféré cet argent na Bukavu, dans une banque de Bukavu ou dans une coopérative de Bukavu. Combien a été transféré na Bukavu? Zéro. Alors,
Les Congolais, il faut tous se poser cette question. Pourquoi l'argent y a Congolais? Ils allaient qu'on nourrir les étrangers que nous, Congolais, nous-mêmes. Avant de défendre Félix, avant de défendre Caméré, avant de défendre Kabila, posez-vous cette question. Notre pays est le plus riche pays du monde. Notre pays nourrit tout le monde, tout citoyen du monde. Et pourquoi notre pays ne me nourrit pas? Il faut se poser d'abord la question maintenant. Avant de défendre ce petit garçon, entre guillemets, au Mbokanabiso. Vous avez le droit de défendre vos leaders. Mais avant de défendre un leader, soyez quand même logique avec vous-même. Pourquoi vous allez nourriter? Pourquoi vous allez soigner? Pourquoi vous allez vêtuter? Pourquoi vous allez continuer dans l'école, dans l'université? Ce qui me dit que la faute est allée na Congo yango moko Congo comme patrie. Oui, défendez vos leaders. Mais avec ces millions qui disparaissent, ces millions de dollars transférés na bamboka mususu, les coltans du Congo, les coltans ya Kivu, l'argent de ces coltans du Congo nourrit les étrangers et non le fils et fils du grand Kivu. Alors, chers amis du Grand Kivu, pourquoi êtes-vous naïfs jusqu'à ce niveau? Défendez Caméré en passant par des vidéos comme ça, nous prouver que oui, sur le million de dollars, sur les 370 ou 500 millions de dollars que Caméré et son ami Félix ont détournés, ont servi pour la vie de fils et fils de Bukavu. Là, je vais me taire à jamais. Alors, tout qui est na niveau ya Chine, na utai koloba makambu ya Chine, je vais revenir pour le Congo. Na évité ce qui bande komingi ba komana na Chine te. Chine banda et banda avec Mao Tse-tung, a tchaki Chine na quarantaine. Mao Tse-tung a lobi pour na ko évoluer malamu pour na mboka, ce qui encadrement idéologique et zalité, beaucoup aboutir na rien. Ça, c'est Mao Tse-tung qui le dit. Mao Tse-tung a yebaki makamwana nyonso, pour démarrer, il faut encadrer son peuple idéologiquement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé son pays. Nakati, ayaki kozwa temps. Yako encadrer ba Chinois idéologiquement, yako pesa bango une vision. Yako pesa bango idéologie. Sur la structure, il y a Chine, la langue chinoise à la dengue. Quand il a remarqué que c'est suffisant, mon peuple a été bien éduqué idéologiquement, la Chine s'est ouverte au monde. Rappelez-vous vers les années 70, 70, Mobutu a déficit mbongo na gouvernement chinois 5 millions de dollars. Cet argent a été destiné pour nourrir les Chinois. 5 millions de dollars. Mobutu a envoyé l'osso, le riz, à la Corée du Sud pour nourrir les Coréens du Sud, parce que nous avons la moyenne, ça te passe, pauvreté, souffrance. Aujourd'hui, regardez la Chine. Aujourd'hui, regardez la Corée du Sud. Et comparez avec la vie
pardon, avec la vie congolaise. L'avènement, il y a économique, il y a bas chinois dans le monde, parce qu'aujourd'hui, aucun pays ou a qu'on s'est dépassé de la Chine. Tous les pays du monde ont ouvert leurs portes aux Chinois. Les Chinois sont partout au monde. La Chine est en train d'envahir le monde économiquement. Mais tous ces produits chinois, considérons seulement le minerai pour le marché électronique. 80% de ces minerais viennent de l'Afrique. Alors, leader africain bénéficie de ces investissements chinois pour n'a qu'à ruiner le peuple Nabango. Bandekwebele va commander en Chine. Ngai, une partie à vie Ngai Mobimba, na lekisi yango na Asie. Bétude Nangaï, une partie à Bétude Nangaï à Master, Nasalaki Yango en ce qui concerne les droits de l'homme. Donc, les ONG et les droits de l'homme. Bien que thèse Nangaï Wana ya Master Wana, parce que nous avons deux masters, plus le PhD, ce qu'on appelle chez nous le doctorat. Master Nanga Moko, j'ai travaillé sur le pays asiatique en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. La Chine, c'est le plus grand pays raciste de l'Asie. Je peux même dire du monde. Parce que j'ai sillonné au moins 162 pays du monde. Je peux faire une comparaison en ce qui concerne le racisme dans tous ces pays du monde que j'ai sillonné. Alors, si vous me demandez de classer en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, la Chine vient en tête. Les autorités chinoises font semblant de respecter les Noirs. Et ce n'est pas n'importe quel Noir. Si vous avez une fonction ou une position d'influence, on vous respecte. Combien de fois moi-même, à l'aéroport de Beijing, on vous voit descendre, vous vous dirigez à l'immigration. Vous verrez, à côté de vous, il y a un agent de l'immigration qui vous suit, juste pour vous conduire jusqu'au guichet de l'immigration. La première des questions, à tout moment, je reçois toujours cette question à l'aéroport de Beijing. Que justifie votre présence ici? Vous êtes de quel pays? Et souvent pour tester, je dis toujours, je suis congolais. Que faites-vous comme travail? Dès que vous leur dites, je suis professeur d'université, vous allez voir le body language. Les signaux corporels. S'étonner. Ah, vous êtes professeur au Congo?
Non, je ne suis pas professeur au Congo, je suis professeur en Corée. Comment? Vous, professeur en Corée? Oui. Monsieur, ça c'est l'immigration. Cessez vos mensonges. Que faites-vous comme travail? Vous sortez la carte de l'université, vous la présentez. Les Chinois ne croient pas toujours. Ils passent à l'ordinateur vérifier. Oh! Et ils signalent leurs amis de l'immigration, ce monsieur est professeur en Corée. Vous comprenez ça? Et imaginez-vous les amis noirs africains qui n'ont pas ces positions. Alors, tout le monde tout yébi que le virus, le coronavirus est parti de la Chine. Tout le monde. Le coronavirus est parti de la Chine. Il y a de ces leaders du monde qui appellent ça le virus chinois. Et nous ne comprenons pas par quel miracle ce virus devient le virus des Noirs. On ne comprend rien du tout. Par quelle magie ce virus devient le virus des Noirs? Et les Africains en Chine deviennent objets d'attaque, de discrimination. Pas de restaurant, pas d'hôtel, pas de maison, pas d'avion pour rentrer. Que deviendront ces Noirs africains en Chine? Moi, je ne condamne pas la Chine. Je condamne les idiots leaders africains. Je condamne les Africains naïfs. Il y a eu une histoire sale avec une industrie chinoise, je pense une industrie téléphonique chinoise, qui spionnait les Américains. Et un des leaders de cette industrie a été arrêté au Canada. Parce qu'il ne faut pas blaguer avec la loi canadienne, il ne faut pas blaguer avec la loi américaine. À travers le téléphone de cette industrie, la Chine tentait d'espionner les Canadiens, d'espionner les Américains. Le représentant de cette usine a été arrêté au Canada. Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a arrêté deux Canadiens qui n'étaient pas liés à cette histoire d'espionnage. Juste une réplique de l'arrestation de ces Chinois au Canada. En guise de représailles, la Chine arrête deux citoyens canadiens innocents. Des fois, il faut se dire, trop c'est trop. Pourquoi l'Africain doit être l'objet de ce type de racisme partout au monde? Pourquoi nous, Africains, devons être toujours naïfs? Vous voyez ce qui se passe en Chine. Mais en Afrique, les Chinois sont rois. Un Africain dans un restaurant chinois, excusez-moi, dans un restaurant chinois qui vient en retard de 5 minutes, ça s'est passé au Kenya. Retard de 5 minutes. Pour punir cet agent, ce travailleur,
Les Chinois ont fouetté ces Kenyans au Kenya. Pas en Chine. Au Kenya. Pas de représailles. Mais non, des fois, il faut se dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous commencez par la traite de Noirs. Nos colons. Les problèmes économiques. Donc, l'Africain est dépouillé de tout. Et l'Africain reste toujours passif. Ce qui se passe en Chine, ça ne nous concerne pas. Ce sont ces voyageurs africains. En Chine, ce n'est pas notre problème. Mais non, deux fois, y a une façon de répondre. La Chine maltraite l'Afrique. Nous ne demandons pas aux Africains de taper sur les Chinois, mais nous demandons aux gouvernements africains de donner un ultimatum aux Chinois de quitter l'Afrique. C'est ça, c'est logique. C'est logique. C'est-à-dire qu'en Chine, vous ne pouvez pas vous promener dans une rue sans entendre des cris, des racismes. Il y a de ceux qui viennent vous toucher la peau. Et n'osez pas appeler la police chinoise. N'osez pas. Parce que c'est elle-même la police qui va continuer à vous maltraiter. Non, c'est que les Anglais disent enough is enough. C'est trop. Alors, les Africains doivent réagir. Nous, on croyait peut-être, avec toutes ces années, nous avons vécu avec les Occidentaux. Nous avons cru que les Occidentaux n'aiment pas l'Afrique. Non, ils aiment l'Afrique, mais ils n'aiment pas les Africains. Alors, beaucoup des analystes africains ont pensé avec la présence économique chinoise, les choses vont changer. Mais hélas, ce que les Chinois font aux Africains en Afrique est plus pur que ce que les Occidentaux ont fait aux Africains. Alors, jusqu'à quand on va laisser cette Chine nous coloniser de cette façon? Il y a une société chinoise en Afrique du Sud qui impose aux Sud-Africains d'apprendre le chinois. Ça, c'est une condition de renouveler les contrats. Il faut apprendre le chinois. Mais quand vous allez en Chine, on vous demande de parler chinois. Vous êtes étranger, on vous demande si vous voulez un emploi, il faut parler chinois. Ça, c'est la condition. Si vous voulez avoir une résidence permanente, il faut parler le chinois. Mais quand les Chinois se déplacent en Afrique, ce sont les Chinois qui imposent aux Africains d'apprendre le chinois. Et nos leaders africains sont là, ils se contentent de petits miettes que les Chinois leur donnent. Et la population africaine, ça, c'est pas leur problème. Est-ce que le peuple africain est conscient de ce qui se passe? Nous savons, nos leaders sont des corrompus. Prenons l'exemple du Congo. Dans quelle ville congolaise vous allez passer sans voir un Chinois? Avec ce qui se passe en Chine, avez-vous vu le ministre des Affaires étrangères congolaise rappeler, ne fût-ce que ses gestes diplomatiques, inviter l'ambassadeur de la Chine pour
pour information sur base de ce qui se passe en Chine contre les Noirs africains. Félix ne peut pas le faire. Jamais. Alors, ça, c'est la responsabilité de nous, Congolais, de réagir. Un Congolais est attaqué en Chine. Nous invitons un Chinois de sortir. Ah oui, hein? Bokoze la Afrique en goba noire, tous à la maltraiter, tika mokileya aussi là. Il semblerait nos pasteurs nous disent, Jésus, le bientôt qu'on dit dans la Bible, que Jésus viendra bientôt, c'est bientôt, c'est maintenant avec ce virus corona. Alors, si Jésus revenait demain, quand est-ce que nous allons régler nos comptes avec ceux qui nous maltraitent? Ça sera trop tard. Et vous serez peut-être étonné quand Jésus vous répondra, il fallait réagir. Alors, la Chine investit au Congo. J'ai posé cette question, j'avais beaucoup d'étudiants chinois. Le monde dit les produits chinois sont des produits pas fiables, ou mélacatés, boyé, boyé. Écoutez comment est-ce que la Chine marche en Afrique. Quand les Chinois viennent avec un projet, à côté de ces projets, ils ont un autre projet. Souvent, ils viennent avec deux projets. Ils vous disent, bon voilà, nous voulons vous construire une route, par exemple, de Kinshasa jusqu'à Matadi. Nous avons deux propositions pour ces projets. Le premier, avec le béton. Je ne parle pas du béton, Félix. Béton de la construction. Avec du béton. Si on construisait cette route, ça prendra au moins 30 ans, par exemple, pour le renouveler. C'est du béton. Et ça coûte, par exemple, 5 milliards. Mais nous avons un autre projet pour cette même route. Ça prendra au moins 5 ans pour la renouveler. Et ça coûte 5 millions. Je pense que vous comprendrez. Les premiers projets du béton, ce qui va tonguer là, Nzela wana pour ebeba. Et qu'on met la peut-être pendant 30 ans. Pour vous renouveler en haut. Entre-temps, ma boulou mike mike, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Ce qui m'a dit, Betty, Nzela ebeba toujours. Mais pour nous, ce ebeba va renouveler au moins 30 ans du béton. Mais, tous les sous sur un projet, mon sous-sous, oh, yo soto sali en haut. Et qu'on soit 5 ans pour ébéba bossa la moussous. Oya liboso, ça coûte par exemple 5 milliards de dollars. Oyo, il y a 5 ans, ça prendra, et au coûté binon, pardon, et au coûté binon, 1 milliard de dollars. Bah, Chinois, bah, y a toujours avec ces deux propositions au choix. Bon, pour Nabolingi, projet Nini. Et les leaders africains choisissent toujours les projets à moindre coût par rapport aux Chinois. Attention, au moindre coût par rapport aux Chinois. Ils choisiront, par exemple, pour cet exemple, ils choisiront le projet d'un milliard qui prendra 5 ans pour le renouveler. Mais ils disent quoi aux Chinois? Nous vous donnons 1 milliard que vous avez demandé, mais pour la facture, facturer
5 milliards. Les 4 milliards vont dans des poches de ces gouvernements africains. Et les Congolais, vous savez, vous avez un exemple avec cette histoire de projet de modernité avec Kabila. Oui, les Chinois sont venus avec des projets. Choisissez. Kabila a choisi les projets les moins chers par rapport aux Chinois. Mais l'argent qui est sorti du trésor public, c'est par rapport au projet consistant qui peut durer pendant des années. Et Félix, avec son gouvernement, suit la ligne de Kabila avec les projets chinois. Mais Tozali, juste au niveau de ces racismes chinois. Africains, vous allez wapi. Les Noirs, on est où? On est où? Excusez-moi, je suis noir, mais je pense que quand vous vous renseignez Namboka Oyo na Corée, ce qui est bien, c'est que M. Yombi est bien connu. Juste ma lutte, ils allaient contre, surtout une partie de ma lutte, ils allaient contre. Discrimination à Banoir. La presse coréenne me connaît, je ne blague pas. Une histoire avec les Noirs, je suis là, je suis debout. Je suis là, je suis debout. Mais je sais, il y a beaucoup de Noirs africains de peureux de poltrons. Victimes de discrimination, ils se taisent. Ils se taisent. Et quand ils viendront dans des réseaux sociaux des Africains, ils commencent. C'est blablabla. J'ai été discriminé. Ba finga kinga makaku. Ba finga kinga boye. Ba loba ki boye. Mais au moment où on vous discrimine, vous gardez silence. Vous êtes complice. En droit de l'homme, on dit, si quelqu'un est victime ou témoin des abus des droits humains et que vous vous taisez, vous êtes le premier complice de cet acte. Alors, Mboka Nabiso, continent Nabiso, les Africains, Tokosuka Wapi. Il ne faut pas compter à ces leaders, ils sont corrompus. Croyez-vous aujourd'hui, Félix peut se pointer devant la télévision, la presse, condamner les Chinois à cause de quelques 100, 200 Africains, Congolais qui sont en Chine? Jamais. Jamais. Et vous remarquez, il y a beaucoup de pays, à cause de ces coronavirus, il y a beaucoup de pays qui ont tenté de rentrer leurs citoyens dans leur pays d'origine. On a remarqué d'abus. Les Noirs qui sont devenus citoyens de ces pays sont laissés dans des aéroports. C'est pas tout le monde, mais je sais de cas de Noirs qui ont acquis une nationalité étrangère. Ces pays envoient des avions pour rapatrier leurs citoyens. Ces Noirs sont laissés dans des aéroports. On vous dira, non, ça c'est votre pays. Là, c'était un pays d'accueil. Nous avons besoin d'abord de nos citoyens. Mais vous êtes aussi citoyens légalement. On vous laisse dans l'aéroport, c'est pour vous éduquer. Mbokanayo, Isali, Mbokanayo. Même si vous devenez citoyen d'un pays quelque part, dans le Wango toujours, les Congolais de la diaspora, Bazali, le Kuta, Nana comme américain, nana comme français, nana comme british, nana comme quelque part Bokokende, on vous rappelle toujours, vous n'êtes pas british, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas américain, vous êtes africain. Mais pour intimider les Congolais qui sont au pays, les Africains qui sont au pays, moi je suis british. Oh, Ndekonabi soit comme british, Lukuta, british, il travaille où?
90% de nos citoyens, même si vous avez cette nationalité de ces pays, vous êtes dans des usines. Vos diplômes ne sont pas considérés, même si vous êtes diplômé. Quand on vous cherche, c'est-à-dire ils ont cherché un citoyen de leur pays, bah monité, bah yéko joyau. Les secrets y a emploi y a mboka oyo, toujours y a nationalité. Ce qui va luki mutu y a mboka na bango, mondele na bango, na position X, bah monité. Bon voilà, ce nègre a postulé aussi, tous voyez, parce que tous voyez, tout me saute. Jamais ils vont laisser leurs citoyens, bah y'a qu'aux joyaux, bah tchayo ne si kawana. Jamais. Jamais. En ce qui me concerne, en réalité, na, la université, je me suis spécialisé, j'ai vérifié na. L'association des professeurs na Corée, na Yeba, banani bazali spécialisé en matière de réfugiés. Banani bazali spécialisé en matière de protection des réfugiés. À cette époque-là, j'avais remarqué qu'il y avait que deux Coréens qui étaient spécialisés en matière de réfugiés. Je me suis dit, bon voilà, c'est par là que je vais me peaufiner, moi, profil. Parce que je sais, je suis Congolais, je suis noir, je suis africain. S'il y a beaucoup de Coréens spécialisés dans la matière, on va engager en Haïti. Voilà, une des universités que j'ai quittée. Mais jusqu'à présent, cette université me contacte de rentrer. Parce qu'il n'y a personne pour te remplacer qui est spécialisé en matière de protection des réfugiés. Il n'y en a pas. Voilà. Na moment wana baluka noir. Mais s'il y a beaucoup de noirs, oh, bazali spécialisés. Pardon, il y a beaucoup de mindele ou bien batuna bango bazali spécialisés. Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec un noir? Mais chez nous au Congo, même les Indiens, je ne sais pas ce qui est possible au Congo, en Inde. Même les Indiens. J'ai parcouru un peu l'Inde, Mumbai, Delhi. Je suis allé jusqu'à Manipur. Mais misère, on a même dit que les Congolais sont en route. Mais quand ces gars indiens arrivent au Congo, ce sont des rois, les Indiens. L'argent des Congolais, azo distribué, azo pesabino, vous les Congolais, vous faites la publicité de ces Indiens. Mais ces gars-là gardent leur argent pas dans deux banques congolaises. Ils envoient toujours, ils transfèrent toujours leur argent en Inde. La femme des Caméré, avec ses millions, logée en Inde. La belle sœur de Caméra a fait tous ses argent détourné, logé en Inde. Mais pour le défendre, ce sont les pauvres Congolais du Kivu qui viennent défendre Amida, qui viennent défendre Caméra. On est malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, mes frères? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Bagarre des Coréens chinois qui se promènent, c'est un Congolais qui porte le parasoleil pour protéger les Chinois moyens joyeux. Et quand vous arrivez en Chine, regrettable. Quand ils arrivent au Congo, les généraux sont là, ils sont permis d'abuser les Congolais, de frapper les Congolais. Les Congolais na mboka na ye moko ne peut pas porter plainte contre un Indien, ne peut pas porter plainte contre un Chinois. Vous osez, c'est le général Kasongo qui arrive. Vous osez, c'est le conseiller du président qui appelle. On est idiots ou on est des humains normaux? Voilà.
Il y a de ces pays, il veut réussir dans le malamouté. Il fait encore foi en Chine. Un frère, une sœur qui a quitté l'Afrique pour venir faire son business, acheter ses produits, bloqué, confiné à cause de ces coronavirus, les Chinois les sortent de leur maison, de leur hôtel. Ils vivent à l'extérieur. Et il n'y a pas de représailles en Afrique. Mais non. Mais non. Soit on est idiot, soit on est bête. Si c'était en Afrique, avec la solidarité africaine, moi je peux aller au Nigeria, je peux aller en Côte d'Ivoire. Si je n'ai pas une place, une chambre d'hôtel, franchement, je vais trouver une famille qui va me loger. C'est ça l'Africain. Mais les Asiatiques, non. Quel est cet Asiatique qui va se promener sur la rue et voir un noir qui n'a pas de chambre d'hôtel, qui va le prendre pour le loger chez lui? Jamais impossible. Et les coronas, ça continue. Jusqu'à quel jour ce confinement va prendre fin? Il y aura ouverture à rien pour que nos frères et sœurs en Chine vont rentrer en Afrique. Jusqu'à quand? Personne ne le sait. Alors, Bagovanda Libanda, les étudiants africains avec ces coronavirus, pardon, il y a eu quelques pays qui rapatrient leurs citoyens, leurs étudiants. Mais les Congos, Mbongwezati, il n'y a pas d'argent. Les étudiants congolais en Chine pourrissent en Chine. Félix n'a pas un avion. Félix n'a pas 1 million, 2 millions pour louer un avion charter. Pour récupérer nos enfants qui sont partis en Chine pour les études, les ramener au pays. Félix n'en a pas. Monsieur Félix, il y a de millions de dollars qui disparaissent chaque jour. Le petit frère de Félix est devenu le nouveau riche. Le petit frère de Caméré, des millions, nouveau riche. Mais le pays n'a pas 1 million. Mais on peut demander à ces gouvernements chinois, par exemple, dans de grandes villes, regrouper ces étudiants congolais. Et louer un avion, c'est moins d'1 million de dollars. L'avion peut sillonner dans ces différentes villes, récupérer nos enfants qui pourrissent en Chine pour les ramener au pays. Félix Azanamote. Mais ce sont des conseillers qui viennent, Félix Azanamote, bien. Mais ces conseillers, vraiment, c'est regrettable. Hein? Un des conseillers de Félix, qui a vécu en Occident pendant 30 ans, pendant 30 ans en Occident, qui me dit, les détournements de Caméré n'impliquent pas Félix, Félix n'est pas responsable. Congolais qui s'est dit conseiller du président, qui dit les détournements de Caméré ne concernent pas le président. Le président n'est pas responsable de ces détournements. Et Félix fait très bien son travail, très bien conseiller. Oyo batalé ko ganga toko changer régime Mobutu, ezobomamboka, nous allons changer ce système. Avec Kabila, il y a des détournements. Nous, IDPS, nous allons changer. Ils criaient comme ça en Occident. Et voilà, maintenant, vous êtes là. Même dans votre propre cabinet, de millions qui disparaissent. Non, Félix fait très bien son travail.
Et Félix n'est pas responsable de ces détournements. C'est honteux. Hein? Et heureusement que maintenant, avec ces réseaux sociaux, nous gardons les archives. Je ne sais pas, après Félix, ces gens de conseillers, quels sont les arguments baroyanango pour se justifier. Bon, voilà. On ne va pas prendre toute la journée ici. Nous sommes venus ici pour alerter nos frères africains, nos frères et sœurs africains, que ce qui se passe en Chine est inconcevable. Nous devons répliquer. Ah oui. Nous avons le droit de répliquer. Les Africains sont malmenés en Chine. La Chine doit quitter l'Afrique. La Chine doit quitter l'Afrique. Et vous allez voir l'économie chinoise. Et nous devons bousculer nos leaders, ces corrompus de leaders, de prendre leurs responsabilités, de protéger les Africains. Mais à ce moment, nos corrompus de leaders ne protègent que des Chinois, des Indiens, des Libanais. Allez-y au Liban. Vous allez voir la misère, comment est-ce que les gens vivent. Mais quand un Libanais arrive en Afrique, le Libanais est roi. Avec 100 dollars dans sa poche, le Libanais est roi. Les Chinois qui arrivent commencent à vendre les cacahuètes. Nanzela na balabala, les arachides. Après un mois, les Chinois deviennent patrons, intouchables, les généraux derrière eux. Mais l'Afrique, je ne sais pas, on est humain ou on est comment? Réagissez. C'est l'autodéfense. C'est l'autodéfense, ce permis. La self-défense est permis. En relations internationales, vous me traitez bien, je vous traite bien. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous me respectez, je vous respecte. Voilà ceux qui me disent, il ne faut pas appeler Félix idiot. Mais Félix se trouve comme si les Congolais sont des idiots. Pour Kabila, les Congolais sont des idiots. Et quand on réplique que Félix est un idiot, non, professeur Rafinha raté. Vous êtes malade, vous êtes comment? Avec ces détournements de millions, ils ne pensent jamais aux Congolais. Et Zali insulte-t-il? C'est respecter son peuple et ça? Franchement, si je disais, je faisais rire à un ami un jour, hein, si Dieu, par magie, ce qui nous a commis, c'est un vice nous a mis, le lendemain, il va regretter. Pourquoi commis un vice nous a mis? Le lendemain, il va regretter. Mais ce n'est pas possible. Un pays si riche comme le Congo. Tout espoir des Congolais était basé sur l'UDPS. Par leur dire, changement, le peuple d'abord, l'UDPS. Voilà aujourd'hui. Ce sont leurs familles qui deviennent riches, qui détournent. Nani soto ko tiela espoir na biso na mboko. Azalite? Azate? Parce que cet espoir, pendant 37 ans que l'UDPS a donné aux Congolais, cet espoir du changement que l'UDPS a miroité aux Congolais, franchement, si vous faites confiance à cette UDPS, vous faites confiance à la famille Tshisekedi, c'est que vous êtes bête vous-même.
L'argent qui disparaît comme ça. Toloba, toloba, te. Christian, Christian Tshisekedi. Mais écoutez-moi, franchement, Christian Tshisekedi peut faire la loi dans ce pays? Félix, ce que tu vas dire entre Bissot Bandeko Batou, Félix, au coin que tu as même surveillant à l'école. Mais non! Népotisme. Basi na bango, ba maman na bango, ba leki na bango qui deviennent des riches. Masque ya pamba, ya opesa ba Congolais ezate. Bazo kanga batu na makasi ba kotsa bango baza na coronavirus na cinquantenaire. Vous enfermez des gens, personne ne passe même qu'au prélever température, personne ne passe qu'au pesa bango nourriture, personne ne passe. Donc ce sont des gens qui sont atteints de coronavirus. Bon, enfermez bango na cinquantenaire. Et le peuple là, ils observent comme si les choses devraient marcher de cette façon-là. Alors, nous sommes un peuple condamné de mourir. Nous sommes condamnés de mourir comme ça parce que nous sommes bêtes et idiots. Vous avez la force de vous défendre. Côté les macaques, quand un peuple s'élève contre les habits comme ça, c'est plus que la bombe atomique. Congolais, normal. Oh, mboka, oh, ezamboka, tu sais qu'il y a yiba, botika yiba, mobutu yiba kite, kabila yiba kite. Est-ce que vous êtes venu au pouvoir pour vous comparer à Mobutu, à Kabila, ou bien vous êtes venu au pouvoir pour les changements que vous avez miroité aux Congolais pendant 37 ans? Alors, Congolais, bah, on roulait bisoboye. Timo Kolonini, Congolais au roulé biso. Un directeur de cabinet d'un président de la République qui détourne l'argent. Tout projet yé azali. Sorti à Bambongo yé azali. Président yé bien le komote. Moutoumoko ya président yé bien le komote. Quand Kamere détourne cet argent. Une année et quatre mois, de millions, président Ayebe Lokomote. Mais comment est-ce que ce même président a défendu le rétro-commission sur le plateau d'une télévision en France? Ce qui Félix Ayebe Lokomote, Ayebe qui m'a dit rétro-commission, comment a qu'il ne défendre Yekezali Kop? Voyez-vous comment la famille de Tshisekedi Bazali ba idiot, bazo roulé bisopé, donc bisopé Tozali plus idiot que la famille de Tshisekedi. Bolobi, Félix a yé bien l'eau comme quand Kamere est détourné. Mais, Oyo Félix a quelque défendre dans la télévision qui est rétro-commission des alliés, comme a yé baki a rondengeni. 15 millions, c'est beaucoup d'argent. On connaît encore un ministre, je pense, na Suède ou bien en Bokanini, en Europe, qui a acheté un petit chocolat. Le ministre a confondu la carte. Carte na yemoko privé, na carte ya service, carte bancaire, carte de crédit ya service, na carte de crédit ya yemoko yandako. Ake na shopa somba chocolat ya moke, moins de 5 dollars. Asombi chocolat, a bosani carte, erazo kope sa, a pesi carte de service. Or, erazo somba chocolat, azala ki na service te. Il fallait somba chocolat na carte na yemoko privé. Ye a bosani carte, asombi na carte de service, il a démissionné. Il a démissionné. Et regardez des millions de dollars. Non, Kamere a yibité. Si Mbongwane Zawapi. Si Kamere a yibité, Mbongwane Zawapi. Une société fictive d'Amida. Le Pangwana Koutoso Talian, on a yibité ce qui Bangoul, Babo Laraba, Soso Nakatebi Bangoul. Adresse, il y a société d'Amida. Oyo Félix na Kamere ba bimisi ba millions de dollars ba pesi Amida.
Amira. Oh là là, je pense que ça s'est déconnecté là. Ok, on est presque à la fin. Je disais, Amida, la femme de Kamere, a teka sima mou koloni. Une société comme ça qui est sortie de je ne sais où, a yé kozo a marché à pays, ba millions de dollars pour afounisara sima na gouvernement. La même société y a sima. Aye kozo a contrat a teka ka bakisi. Bakisi, médical, bakisi. Société Yamida. Basimana bakisi. Namboka Yalumumba. Et les Congolais là, Azotala. 12 millions d'habitants de Kinshasa. Vous ne pouvez pas vous défendre? 12 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas vous défendre? Kabila n'est pas si fort que vous. Félix n'est pas si fort que vous. Bon, voilà. Tension et bandit au matin. Sinon, on va lâcher ce que nos milouvores disent, prof à l'Ouagabouyeti. Donc, on est obligé de vous laisser là. Ce qui est bon, c'est beaucoup fa, beaucoup fa. Vous voyez maintenant, bah, Western Union est diminué. MoneyGram est diminué. Vous voyez maintenant, la Kinshasa, vous bah, allez comprendre. Bien fondé, Mbola Mouya Diaspora. Alors, bon, vous la compte pour que Amida, Kamere, Félix, Kabila, Batine de la Rabino Bambongo. Bon, vous la compte. Bon, vous la compte. Pour que vous tournez la diaspora, ma Kambongo est aussi la Mkolo. Et aussi la Sikote. Et aussi la Sikote. Allez-y voir Félix, après Sabino Mbongo. Le milliard de dollars ouana est coquille. Ah oui, sinon, tous allez ba bête. Si tous allez ba bête, tous continuez, tous couffent comme le corps ba bête. Merci beaucoup, je vous laisse là, mes chers amis. Partagez. Partagez la vidéo. Avant tout, cabana, s'il vous plaît. Appuyez, partagez, Kindi, rapidement, comme ça, on va se quitter là. Et, Torozala Lissousou, na ligne, je pense, demain ou après-demain, nous serons là. Poto Lovela, toujours, Makamambo Kanamiso. Nous avons écrit, ça, j'ai oublié juste na debi, nous avons écrit na. Président, il y a Parlement, il y a Taïwan. C'est beaucoup de photos de Bissot, pour mon Bissot, le président du Parlement à Taïwan. En ce qui concerne Batébélé, Batouninga, pour les réfugiés au Bazali, na Chine. Chine, na mainland. Mainland, c'est quoi en français? Donc, Ezali, na État, où Ezali, autonome, tel le cola Hong Kong, le cola Taïwan, le cola Moussousou, même. Na mainland. Moyen to agir na mainland exacte parce que les Chinois ne permettent pas des organisations ya et d'acabar réfugiés. D'ailleurs, la Chine est toujours en position ya corréfiter ba résolution non so pour na réfugiés dans le monde. Na système ya Nations Unies, la Chine est toujours contre la protection des réfugiés. Donc vous comprendrez que la Chine c'est pas un pays humain, excusez-moi. La Chine n'est pas un pays humain. La Chine n'est pas un pays pour protéger les humains. Donc, je ne sais pas pourquoi le pays du monde accorde beaucoup de confiance au gouvernement chinois. Les Chinois ne sont pas des gens à faire confiance. Ils n'ont pas le sens humain. Pour eux, ce sont les Chinois qui comptent, leurs intérêts économiques qui comptent. Rien d'autre. Alors, au niveau de la Chine mainland, nous n'avons pas droit de chercher à protéger nos amis. Ceux qui sont là, c'est les hauts commissaires pour les réfugiés qui s'en occupent. Mais, à Taïwan, par exemple, je suis allé en Taïwan à maintes reprises. J'ai rencontré presque tout le monde, à part la présidente. J'ai rencontré le président du Parlement. J'ai rencontré le vice-président du Parlement. J'ai rencontré le procureur général de la République, le président la Cour constitutionnelle. Et j'ai écrit à ces gens-là s'ils peuvent intervenir pour ce qui se passe contre les Noirs en Guangzhou. Et nous attendons, parce que c'était le week-end, le samedi que j'ai écrit, nous attendons peut-être cette semaine, nous aurons une réponse. Mais ce que nous savons est que Taïwan, par exemple, est toujours en opposition avec la Chine mainland.
Donc, c'est très difficile. Même en matière de réfugiés, il y a beaucoup de réfugiés chinois, par exemple les Tibétains, qui viennent toujours chercher asile au Taïwan. Alors, nous avons écrit pour écrire, mais nous savons très bien le gouvernement chinois, Bazali Teti. Bazali Teti, et ils sont toujours en opposition avec la Taïwan, avec les Hong Kong. Donc, on n'espère rien de là, mais. Toujours responsabilité, n'abissons devoir, n'abissons qu'interpeller Bango, même si ils allient province autonome, mais c'est quand même en quelque sorte la Chine. Et bah, mais qu'un peu, parce que bah, relation ils allient, bah, mais qu'un peu, qu'au tal un peu, situation de noir en Chine, mainland. Voilà, merci beaucoup. Et. Rappelez-moi, Boye Bisangai, même Nabutu, ce qui Christian Tshisekedi a quel genre à Makala. Parce que Tozo est là, Zoum est là. Kamere a quel rapidement. Et on rappelle, Kamere n'a pas été arrêté sur recommandation de Félix. On a des informations, il y a mon nene Oyo, Toutaï Kozoa Nabutu Yalelo. Kamere n'a pas été arrêté sur recommandation de Félix. C'est Kabila qui a fait arrêter Kamere pour trahison. Parce que Kabila n'a pas digéré que Assolanaye sur Makambouya Félix, après Akenelisus n'est pas Félix, a révélé Makambouya battu à Kabila et pas à Félix. Donc, après avoir Kokutana Kamere, na GLM pendant 2 heures, Kabila a jugé bon Moutou Oyo, il faut que tchaye na prison. Donc, le magistrat, le procureur qui a fait arrêter. Kamere n'est pas un Tshisekediste. C'est un Kabiliste de sang. Et d'ailleurs, c'est Tambo Mwamba qui l'a nommé procureur de Matete. Alors ne venez pas battre sur vos oreilles, non, Fatih Béton, Yemta Kangisi, directeur de cabinet, na yem, mensonge. Botika Makambuana, ya Kadio Shanabinoana. Donc, comme il y a un monde manque d'informations, on peut fouiner l'information. Tout ça, sur le monde, il y a un Tshisekedite au Kosabatu. Naza leader, Naza pourbino, peuple d'abord, Nabutu azo ke zombo ke paka et pas Mobutu. Dans son époque wana te ba gizenga ko rouler bato. To komi na monde oyo mutu nyoso information sur kali ko zwa yango ko zwa yango. On connaît comment fouiller des informations. Alors politique na bino na kala ko sa bato se révolue hein. Dans son période wana te. On connaît, c'est pas votre béton qui a fait arrêter Kamere. Voilà. Ce qui béton mutu a fait arrêter Kamere. Il devrait d'abord commencer par les révoquer. Ou bien les suspendre pour raison d'enquête. Pourquoi se suspendre y était? Vous faites arrêter quelqu'un qui a détourné l'argent sous ta barbe et vous ne le révoquez pas. Faut être bête, hein? Hein, mes chers amis les Wewa. Merci. Allez, je pense que vous avez partagé et au revoir. On se retrouve prochainement. Bye.